Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Shooté. Et on se retrouve aujourd'hui. Oui, oui, voilà, Kifo, ils sont moches, c'est des polygones en l'air. C'est pas ma saison préférée des Power Rangers, Lightspeed Rescue, que je vais vous présenter aujourd'hui, les amis, sur PS1. Mais c'est le jeu auquel j'ai passé au moins. Désolé si je chauffe dans le micro, je suis passé sur un autre micro là d'ailleurs. Mais en fait, j'ai dû passer au moins 2 voire 3 semaines de ma vie avant de terminer les gosses. C'est chaud quoi. Partir dans le troll complet au pire. Je sens que je vais me faire flag la vidéo sur YouTube parce que ça se trouve, cette VOD-là restera sur. Elle restera sur Hitbox. Ah là là. Alert status! There are reports of a siege in downtown Mariner Bay. The monsters seem to be using magical powers to. Pourquoi je suis sur la version française? We will be able to track you via your rest. C'est censé avoir téléchargé la version française. Get ready. Ça c'est le saut, le kick, barré, faire les roulades. Ça sert à rien. Voilà, il y a des joyaux à ramasser. J'ai jamais trop su ce que c'était ça. Façon, j'ai mis le jeu en facile, les amis, donc on va jouer en mode Tardos. Même pas s'il peut le refaire en entier. Je sais que sur la fin, il est quasi impossible. Je saute. Ah. Et genre, tout tu me fous par terre, toi. Du coup, le jeu est mort. Pas d'option. Il n'y a pas d'option in-game, quoi. En positif, je peux jouer avec le. J'ai oublié le joyau par là-bas. Ouais, ce jeu, ouais, je vais pour la VOD, je vais juste vous le présenter en. These items improve your special attack. The more Oui, you ouais. collect. Je vais juste vous faire une petite vidéo pour la VOD. Après, pour le reste, je pense que j'essaierai de terminer ce jeu pour l'exploit quand même. Histoire de rire un peu. Alors, ça, je sais pas ce que c'était. Don't panic. All right. Allô? On n'est pas dans Star Trek pour avoir de la téléportation? Je veux bien que les Power Rangers, ils ont une putain de technologie, mais quand même. Ah mais le jeu est mort, franchement, sans musique en fait. C'est aberrant. Ah. Je vais y arriver. Ah d'accord, faut taper sur les leviers pour. Thank you. Oh putain. Ah, le jeu, il a mal vieilli, celui-là, comparé à d'autres jeux. Mais putain, pourquoi ils nous ont foutu. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils nous ont foutu des putains de bandes noires en haut et en bas, quoi. Que moi, ma fenêtre d'émulateur, elle est réglée en 1024 par 768. Pour que ça fasse un carré, voilà, 6-4 tiers. Mais en gros, ce jeu était déjà été forcé en 16-9. J'imagine même pas sûr, pour ceux qui jouaient sur des télés toutes petites, Don't panic. ça devait être chaud quoi. Thank you. Aïe, tabasser là. Voilà. Je me fais tabasser quoi. Le jeu il est putain de.
Ça se trouve, on doit m'entendre martyriser ma manette. On peut pas y aller. Mais je vais au moins essayer de vous faire ce premier niveau, du coup, les deux. Je crois que ça, c'est l'équivalent, en gros, de l'étoile dans Mario. Dans Double Dragon, le saut coup de pied est l'arme la plus utile. Bah ouais, quand tu vois un ennemi mais que lui t'as pas encore vu, tu lui arrives par derrière, tu fais le saut coup de pied, franchement. Don't panic. Yeah. Après le coup de... Voilà, tu leur fous des bons coups de poing dans la gueule, ça passe. Putain, mais les textures bug. Don't panic. Oh mais non, ce jeu a trop mal vieilli quoi. Arrête de me tabasser la gueule, toi, je suis vraiment genre grosse putain de merde. En fait, il a le temps de me donner un coup de poing entre deux de mes coups de poing. C'est assez bizarre. Au partenaire. Don't panic. All right. Let's do it. Ah, ça c'est le boss du coup. Et il est putain de dégueulasse. C'est d'accord, il est putain de dégueulasse ce boss. Par contre sur les boss en fait ça se voit, je suis en facile. Du coup ils perdent pas mal de vie. Par contre les boss eux ils maîtrisent mieux que moi la technique pour parer. J'ai remarqué. Je joue en mode tarde, voilà, en mode petite pute. Des allers-retours. Que j'avais utilisé cette technique-là à l'époque déjà pour finir le jeu. Je retourne à l'ascenseur. Et je crois que j'ai pas vous montré qu'en fait que le niveau 1. Je vais peut-être vous montrer le 1 ou 2 après. Je sais qu'il y a les niveaux. Il y a les niveaux où on contrôle le mec sort. Premier costumé le plus beau, bah oui, il est tout premier. Voilà, ça je dis pas le contraire. Je ferais peut-être un. Faudra que je le retrouve lui aussi. Le Mighty Morphin sur Mega Drive, je crois que c'était. Putain, d'où ils ont le tapé en fait par moment, je comprends pas. Beaucoup de pieds qui partent tous les sens. D'où mon coup de pied par un endroit alors. Don't panic. Ça va, vu que c'est les premiers ennemis, ils prennent pas trop de coups à monter. Aïe. Le coup de pied qui touche à Tata Win, s'il te plaît. Dirigez-vous là-bas. Ouais, le saut de. Le saut, c'est pas la merde. Je crois que je suis sur la bonne route. Il y a des petits joyaux. Alors. Hop. Ah. Ils nous foutent un des plus grands méchants du jeu là dès le début. Ah non, ils nous le montrent juste, d'accord. Il a invoqué plein de. On va spammer le coup de pied. En fait, les enchaînements de coups de pied sont plutôt pas mal. Ah d'accord, on a vraiment le boss juste après. Aïe.
J'ai pas dit de me tataner la gueule par contre, connasse. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie, je vais mourir. Voilà, je suis mort comme une grosse merde. Oh putain, il y a un respawn automatique. Oh merci. C'est quoi cette arnaque? Elle a déjà récupéré toute sa vie? Mais genre! Putain de merde! Il faut 3 coups pour me niquer la gueule. C'est sérieux le jeu. Voilà. Lag au moment où le boss a disparu par contre. Putain. Hostage rescue. Ouais, youpi. Pas save. Hein. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que ça va être... Oui, normalement ça va être une phase en 14. Ça c'est plutôt cool. Je tenterai quand même, on va dire, de la mettre sur YouTube, cette VOD. Mais j'ai un doute si elle va passer, hein, franchement. We have completed our analysis of the Our satellite has on our way. Mais je veux la phase en Megazord. Le jeu, t'es pas gentil. Le jeu est vilain avec moi. Je veux la phase en Megazord, quoi. Oui, on a compris qu'il fallait sauver les otages. Saut de ta fiole qui te font pas. Putain, je suis un Power Ranger. Je suis pas censé être une ta fiole de bas étage. Un fucking Power Ranger. Ah merde, putain, et des sauts par contre, sont crispants par moment. Oui. Aïe. We've gotta do something. Ah oui, il y a des secteurs en fait, tu dois aller. No. Genre. Comment j'ai fait pour tomber là, moi? Ouais, ouais, c'est le GG là. Ah d'accord, je devais attendre qu'il descende le boss. Putain, mais les tatanes que les boss me foutent, en fait j'aurais peut-être... Je suis rapide avec ce perso là du coup, mais j'aurais peut-être mieux fait d'en prendre un autre. En plus, voilà, t'as pas le choix de perso, on va dire, à chaque niveau. C'est juste, tu prends un perso au début du jeu, tu te le tapes jusqu'au bout. Ah merde, il est pas passé celui-là. Voilà. Ah mais le jeu lag au moment où... Au moment où le boss disparaît, quoi. Où les ennemis? Je vais pas clear le secteur. Don't panic. Thank you. Les ennemis font des bruits bizarres, on va dire.
étage. Find and destroy all the quake spikes. Hop. Bah, j'arrive à bien les enchaîner avec le coup de pied du coup. Ah oui, il faut détruire les pics parce que ça crée des tremblements de terre, je crois. Tu sautes maintenant, j'ai sauté sur la tête des ennemis, s'il te plaît. Comment j'ai pu sauter sur la tête des ennemis? Mais bon, arrête de sauter partout, connasse. Voilà, détruis-moi le machin. Galère. Hein. Alors, il y a un otage là-bas. Ah merde, je prends des dégâts avec ça. Voilà, tu vas réussir à le détruire. Aïe, putain de merde. On va éviter de tomber. Là où il n'y a rien. Non, par ici, je reviens au début. Donc. Ah bah c'est bon, du coup, c'était juste le temps que ça détecte. Ça et que j'avais bien terminé cette phase là. Putain, je perds des points de vie sur que dalle. Bah, lui il est tombé à la flotte. Tu vas réussir à me les détruire, tes putains de trucs? Ils ont foutu la touche saut sur carré. Je me pose la question. Ça m'a pas ouvert les trucs ici. Je crois que c'est plus tard qu'il faut que je revienne du coup. Là, on a ouvert le premier, mais du coup, je peux pas faire le deuxième. Pourquoi? On va remonter. Et c'est pour 8 tâches inexistantes, s'il te plaît, quoi. Y'a rien derrière. Je crois que c'est à l'autre. Aïe. Vous avez pas honte de tabasser une femme en deux coups? Je suis le putain de Ranger Rose. Voilà. De toute façon, fallait que je vienne sauver cette première otage et que ensuite je retourne en bas du coup. Ah putain, et je me... des dégâts tout seul avec ces conneries. Alors... Ouais, voilà. J'ai ouvert le deuxième et ça va faire pop le boss si je me trompe pas. Moi je sais pas si vous... Putain, je sais pas si on l'entendra beaucoup sur la VOD vu que je peux pas trop le mettre à cause des droits d'auteur, mais il y a un peu de musique. Parce...
Franchement, dans ma mémoire, ce jeu était bien. Ranger, get Loki. Loki. Aïe. Voilà, une patate. Une putain de patate. De coup de pied. Ah, putain, d'où il est passé celui-là d'ailleurs. Avec, il passe avec du retard des fois en fait, des coups de pied. Aïe. Voilà. We have just finished developing the Super Train Megazord. Et voilà. Je vais pas re-sauvegarder du coup et. Putain, ils, voilà, ils le montrent, hein, putain, qu'ils avaient les droits, les droits sur la musique Power Rangers et tout THQ à l'époque. Hein. Putain, la musique, ils te la foutent 50 fois. En même temps, tu vas me dire, à part les génériques, il n'y avait pas vraiment d'autres musiques emblématiques dans Power Rangers. Ouais, Megazord. C'est pas le plus beau, franchement. Ah, surtout, putain, ouais, celui avec la face à moitié écrasée, là. Ah, Super Train Megazord mode, light speed. Putain, t'es lent. Voilà, du coup. Putain, t'es, ouais, t'es lent. Aïe. Commence mal. J'avais pas... Non, ça c'est les pas de côté. Pareil. Ah si, j'ai un tir. Ok. Capté. Aïe. Par contre, faut réussir à le charger du coup. Le robot qui donne des coups de poing. Mettez. D'accord, le boss avait arrêté de taper pendant 2 secondes, je sais pas trop pourquoi. Et voilà. Bon bah en fait, même les niveaux avec Megazord, c'était de la merde. Donc je vais sauvegarder ici pour plus tard, au pire les amis, et je vais m'arrêter là pour cette VOD du coup. J'aurais fait 2 niveaux, un niveau en Megazord du coup. Je trouve que c'est déjà pas mal. Oui. Ta gueule la musique. Voilà. Hein? Ah mais non. Dans mes souvenirs, ce jeu était bien meilleur que ça quand même. Non mais le pire, j'ai vraiment passé des heures à galérer sur des putains de niveaux et à oublier de sauvegarder entre les niveaux aussi. Là, je m'en souviens. Euh...